Monsieur Kléber Mesquida. Merci, Madame la Présidente. Les députés sont des gens responsables qui sont très attachés à la lutte contre l'alcoolisme avec la prévention, l'éducation, les préconisations. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un problème de communication de terroir, des contenus, des représentations, des descriptions, des régions de production, de la toponymie, des zones de production, où un journaliste qui s'engagerait à faire un article serait condamné, ça a été le cas pour Le Parisien et Les Échos. On veut sécuriser cette loi et pouvoir communiquer. Ce n'est pas de la publicité, c'est de la communication. Sans cela, on aura toujours cette jurisprudence qui gênera la production, qui gênera la consommation, qui gênera la consommation des terroirs, des territoires, des paysages. Moi, je voudrais rappeler que la consommation de vin a baissé de 45%, alors que l'alcoolisme est en hausse. Je n'y vois pas la corrélation. Au niveau de l'export, le chiffre d'affaires, c'est 7,6 milliards d'euros, l'équivalent de 150 rafales. En termes de tourisme, ça a été rappelé, un tiers de clients citent le no-tourisme comme motivation de séjour. Enfin, 550 000 emplois sont liés à la viticulture. Alors je comprends bien qu'aujourd'hui, cela pose un véritable problème. Il y a des marques d'alcool qui peuvent communiquer parce que ce sont des marques. Le vin qui a été cité et le rhum qui a été évoqué sont des produits. Et les produits ne pourraient pas communiquer alors que les marques communiquent. Il y a là une discrimination. Nous demandons simplement de l'équité républicaine afin que les productions du terroir puissent librement communiquer. Oui, monsieur Philippe Plisson.